Coucou les artistes. Alors, c'était pas prévu. À la base, je devais me lancer à faire le défi numéro 2 de Camille. Mais j'ai vu la pochette de Gelato de mon fils. C'est des crayons aquarellables. Hein, et j'ai eu envie de faire une page avec ça. Alors, pour le coup, ça fait un petit moment, mais j'ai regardé une vidéo là de Suzanne Rosart et ça m'a beaucoup beaucoup inspirée. Et j'avais envie de faire une page comme ça. Pas monter trop haut. Une page. Une plage un peu simple, sans trop de chichi, et en même temps de tester ses gélatos. Parce que c'est vrai que je lui avais offert ça pour Noël, mais je les ai jamais, jamais utilisés. Je le vois tout le temps faire ses trucs avec, alors c'est dans un état pas possible. Et j'ai acheté ça à Noz, à 1,80 € quelque chose, et j'aurais dû prendre un plus, quoi. Enfin, quand je le vois s'amuser avec ça, je me dis que j'ai fait une bonne affaire, mais j'aurais dû en prendre plus parce qu'il les utilise tellement. Après, voilà, vous avez le crayon comme ça, et puis il tourne pour avancer la mine quand il n'y en a plus. Alors, c'est vrai qu'il y a de la marge, mais bon, Niwen, je le connais quoi. Quand il aime quelque chose, c'est tous les jours, tous les jours. Le orange, il n'y en a presque plus, parce que c'est sa couleur favorite du moment. Donc, tout ce qui peut être orange, bah, fait quoi. Donc, je vais commencer par la jaune. En plus, c'est super agréable. Par contre, j'ai pas mis assez d'eau. Donc là, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, mais de très mauvaise qualité. Du coup, ça retient pas l'eau, mais pas du tout. Coup, je vais me repartir avec mes petits gris, ce sera plus agréable. Donc, pas photo, hein, quand vous utilisez quelque chose d'agréable et quelque chose de pas agréable. Après, pas toutes les couleurs sont diluables de la même façon. Il y en a qui se diluent plus facilement que d'autres. Marron, là, j'aurais dû appuyer un peu plus. J'ai appuyé un peu plus sur le marron, voir s'il y a plus de pigments qui sort. Alors les pointes, normalement, elles sont fines, mais comme c'est les crayons aquarelles de Nguyen, eh ben elles sont plus fines. Et ensuite, hop. Mais bon, voilà, ça remplace pas de bons gélatos ou de beaux néocolores.
Mais j'avais envie de tester. Donc, chose faite. Normalement, quand on met de l'eau, ça devrait se faire tout seul, mais il n'a pas envie. Je ne sais pas si je vous ai demandé. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien. C'est un jour pluvieux, mais heureux. Puisque je suis dans mon atelier. Je mets du rouge, j'ai pas mis de rouge. Alors là, vraiment, je suis dans le total lâcher prise, puisque je sais pas du tout. C'est dans l'esprit de Suzanne Rosart, mais je me rappelle même plus de sa vidéo, pour vous dire. Et là, je suis, mais dans un lâcher total. Dans un lâcher total. Je ne sais pas où je vais. J'ai préparé des die cuts de Marlène, de la collection Artirabia. Tous les pigments se diffusent de la même façon, j'ai l'impression. Faut pas, j'ai l'impression, ça ne se diffuse pas de la même façon. Ouais. Là, je vais mettre un peu de vert clair là dans les feuillages. J'ai pas utilisé. Je remets un peu de jaune ici. Le marron, je vais un peu plus le pigmenter parce que le marron, il a vraiment, vraiment du mal à se diluer. Ma foi, ça commence à ressembler à quelque chose. Et du violet par là. Le beige aussi, il est comme le marron, il se dilue pas trop bien. Laisse de l'eau, je vais voir si ça se fait tout seul comme dilution, mais non, en fait, il faut vraiment frotter le pinceau, enfin frotter, vraiment peindre pour mélanger le pigment, pour fondre le pigment, parce qu'il ne se fait pas tout seul. Voilà. Bon, ben pour ces feutres, parce que ça s'écrit feutre gel. Feutre gel, couleur brillante, diluable à l'eau et pointe très souple. Et puis, je vais faire un zibouiboui, parce qu'elle aime bien faire les zibouiboui Rosart. Et elle a bien raison. Marlène aussi fait des zibouiboui des fois. Baby, je vais prendre la pointe fine. Et là, je repasse pas sur tous les traits, mais sur certains pour effoncer un peu. Je peux mieux enlever.
Bon, on va pas partir au fin, parce que au fin, ma vidéo va durer 40 ans. Voilà, je suis assez contente. En même temps, lâcher prise, c'est lâcher prise, hein. Donc ça, je range. J'aime beaucoup. Je lui repiquerai ses feutres aquarelles à Niwen dès que j'aurai envie de 5 minutes de lâcher prise, mais vraiment 5 minutes. Parce que ça va assez vite. Les pointes sont assez grosses. D'ailleurs, je vais rajouter, là, c'est juste là, une petite pointe de doré. Je ne l'ai pas fait. Avec mon Woody doré, c'était pas prévu. Mais j'avais envie d'un petit de l'utiliser. Après, c'est sûr, hein. Les feutres de Niwen, ils sont beaucoup plus gras. Donc beaucoup plus souples, comme disait l'étiquette. Et du coup, très agréables. Sont moins rugueux que les Woody, du coup, pour le coup. Pour le coup, j'aime bien. Alors, Marlène n'aimait pas de die cut, hein. Elle fait que de l'aquarelle et du tampon. Par contre, j'ai pas fait de tamponnage, effectivement. Peut-être qu'il faut pas que j'en mette trop non plus. Hein. Bon, celui-là, j'ai déjà mis de la colle. Donc, je colle. Mettre la bleue. Est-ce que je mets pas mon tampon avant? Si je mets mon tampon texte avant. Mon tampon texte, hop, traîne toujours dans ma boîte à acrylique. Et je le mets jamais sur un truc acrylique. Alors, j'ai une étoile qui me colle. Et du coup, ben, il est pas très tendu. C'est à nettoyer. Voilà. J'ai pas rajouté les petites étoiles que j'avais sorties. Vous voyez, j'avais sorti pas mal de choses. Et finalement, j'ai pas les mettre. Parce que je trouve que ma page, elle est très très bien comme ça. Je vais profiter que mon Posca soit là. Mais c'est une pointe épaisse, donc j'ai peur du résultat. Donc je vais prendre mon feutre pointe fine. Alors là, il y a trop de choses sur mon bureau. J'ai pas l'habitude du bazar. Enfin, en même temps, je fais 50 choses en même temps.
Et une petite étiquette serait pas de trop. Alors, j'en avais fait plein. Et du coup, je prends ce qui est devant moi. Oui. Alors, je profite. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais j'ai fait une commande sur Carabel Studio. Et il y a de super promos, puisque en raison du salon Scrapin qui a lieu là jusqu'au 20, qui a eu lieu, eh bien, beaucoup de boutiques qui ont participé à ce salon font des promos jusqu'au 20 juin. Et c'est des super belles promos. Donc moi j'en ai profité, en plus il y a plein de cadeaux à gagner. Pour les soldes, je suis pas sûre qu'il y aura des cadeaux à gagner quand il y aura les soldes. Donc moi j'ai profité qu'il y ait plein de cadeaux à gagner. Pour, je peux montrer, pas droit. C'est ça quand on veut faire quelque chose vite. Donc vous allez voir un hall Carabel, un hall Keepers, un hall Kerglaz. Qu'est-ce que j'ai comme commande là? Keepers, ça doit arriver. Kerglaz, c'est là. Craftelier, je ne le ferai pas. Puisque bah, c'est des pochettes en plastique. Des feuilles qui étaient en solde, donc je vais pas faire un haul pour des feuilles qui sont au solde et qui sont même limite d'être en rupture. Parce que un haul, c'est pour vous aider dans vos choix d'achat. Et moi, je ne fais pas un haul juste pour faire un haul. Si je sais que la feuille n'existe plus et que des pochettes plastiques, tout le monde sait. Quand il en a besoin, il n'a pas besoin d'avoir un haul pour s'en procurer. Donc je le fais pas. Et là, je mets la petite étiquette, la musique de mon cœur, parce que j'ai tamponné pas mal de sentiments, la musique, là, de musique. Et du coup, voilà ma petite page lâcher prise style Suzanne Rosart est terminée. J'espère que mon petit lâcher prise vous a bien plu. Là, ici, ça n'a rien à voir. C'était de l'écriture comme ça. On est. Hop, j'aime beaucoup tamponner les dates. Et aujourd'hui, on est. Dimanche c'est le 20, samedi 19, aujourd'hui on est le 18. Et cette page de lâcher prise, hop, le 18 juin. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les artistes.